Merci, Monsieur le Président. Et Monsieur Keïta, Maître, vous êtes poursuivi pour viol. Et est-ce que vous savez que dans ce dossier de la procédure, il n'y a aucun élément établissant la preuve de cette pénétration sexuelle contre la volonté de Mme Aïssa Toubary. Vous le savez? Non. Est-ce que vous savez que dans ce dossier de la procédure, c'est sur la base des simples affirmations de Madame que vous vous êtes retrouvé renvoyé par devant ce tribunal? Vous le savez? Oui. Est-ce que vous savez que comme élément pour les parties civiles et le ministère public, on ne se fonde que sur un certificat médical daté du 21 février 2011 pour parler d'un cas de viol de 2009? Est-ce que vous le savez? Non. Est-ce que vous savez que ce prétendu certificat médical n'a pas été délivré par un spécialiste agréé en République de Guinée? Oui. Est-ce que vous savez que ce prétendu certificat médical ne parle même pas de violence sexuelle? Oui. Avec la permission du tribunal, il s'agit du certificat médical sans numéro, établi par l'association, par le médecin traitant Dr Ali Fassina Douno, sous l'entête Association pour la survie, la protection et la promotion de l'enfance en Guinée. Je vous invite à suivre la lecture juste de ce certificat médical pour vous permettre de répondre à des questions qui seront posées par la suite. Certificat médical, Conakry, le 21 février 2011. Certificat médical, je sous-signe Dr Ali Fassina Douno, certifie que Mme Aïssa Toubary, née 1974, enseignante résidant au quartier Amdalaï Mosquée, victime de violences physiques au stade du 28 septembre, est bien prise en charge au centre mère et enfant depuis le 24 novembre 2011. Est-ce que selon vous, on peut établir un acte le 21 février 2011 pour dire que ce patient est pris en charge depuis le mois de novembre, un mois qui n'est pas encore arrivé? Est-ce que cela est possible? Impossible. Est-ce que dans ce certificat médical, on parle de violence sexuelle? Non. Dans son procès verbal d'interrogatoire devant le pôle des juges d'instruction, oui ou non, Madame, en disant que vous avez cherché à la rencontrer, à vous rendre chez elle pour savoir si elle avait été victime de quoi que ce soit, en confirmant cette déclaration, oui ou non, la partie civile elle-même donne la preuve que vous êtes en train de dire la vérité ici? Oui. Est-ce que l'infraction de viol, est-ce que si nous devons chercher des éléments pour un acte commis en 2009, est-ce qu'il faut attendre 2011 pour se faire délivrer un certificat? Non. Est-ce que si un certificat doit être délivré en 2011,
Est-ce que oui ou non, ça doit être délivré par un spécialiste en la matière? Oui. Est-ce que 2009-2011, au moins plus d'une année, n'est-ce pas? Oui, maître. Est-ce que vous saviez où est-ce qu'elle était? Non. Est-ce qu'elle était mariée? Je ne sais pas. Qu'elle soit mariée ou pas? Je ne sais pas. Est-ce que vous connaissez ce qu'elle adopte? Non. C'est une infraction sensible qui nécessite beaucoup de sensibilité. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci bien, Monsieur le Président. C'est Maître Lancenot Troua Camara, l'un des conseils de Monsieur Moussa Tegbourou Camara. J'ai deux questions à Monsieur Mamadou Aliou Keïta, une question de précision et une intervention de soulagement. La première question, Monsieur Keïta, en répondant à l'une des questions du parquet et même certains conseils de la partie civile, vous avez dit que vous avez vu des agents en bonnet noir. Vous confirmez oui ou non? Oui, je confirme. Bien, M. Keïta. Est-ce que ces agents étaient en béret rouge? J'ai bel et bien dit si je vis les gendarmes. Oui, est-ce que... Terrain et les gendarmes en body. Oui, je parle des bérets. Est-ce qu'ils étaient en béret rouge ou en béret vert? Moi, j'ai vu le béret vert. Béret vert. Voilà. Bien. La question de précision, elle est terminée. Je voudrais maintenant revenir sur la préoccupation majeure qui assaille. Est-ce que vous êtes à l'aise là où vous êtes? Pardon, maître. Est-ce que vous êtes à l'aise? Non, je ne suis pas à l'aise. Bien. Est-ce que, parlant de la famille, de votre ancienne fiancée, est-ce que vous faisiez des gestes? Je n'ai pas compris. Est-ce que vous faisiez des cadeaux à la famille de votre ancienne fiancée? Cadeaux? Oui, bien sûr. Quand on suit une femme en mariage, quand même, pour renforcer les relations amicales, il faut faire des cadeaux. Est-ce que vous faisiez des cadeaux? Oui ou non? Oui, soyez sincères, nous sommes tous des hommes. Maître. Laissez-le répondre. Maître. Oui. Moi, je ne l'ai pas fait. Vous avez fait combien de temps de collaboration avec votre ancienne fiancée? Combien de jours ou combien de mois? On a fait plus de 6, 7 ans. Bien. 7 ans. Mais, M. Keïta, c'est incompréhensible. Vous faites 7 ans avec une femme que vous comptez épouser. Et pendant cette longue période, vous ne lui faites aucun cadeau, ni à elle, ni à sa famille. J'aurais voulu que vous soyez très simple, maître. Parce que nous sommes tous des hommes. Attendez, maître. La oui. Question, ce n'est pas une question. Posez la question, maître. Oui, la question, c'est ça. Est-ce que vous confirmez n'avoir fait aucun cadeau? Il a répondu à cette question. Posez une autre question. Et moi, je sais que vous avez fait des cadeaux. Moi, je vous demande, est-ce que ce n'est pas parce que vous avez coupé ces cadeaux, vous avez coupé la remise de ces cadeaux, que vous êtes une victime de la vengeance? Bon, vous avez dit ici tout de suite, si je fais les cadeaux à la famille, n'est-ce pas, si je comprends bien. La famille, non? Oui. Mais la fille, je l'ai fait. De temps en temps, parce qu'on ne peut pas rester avec quelqu'un deux jours, trois jours. Tu ne peux pas soustraire dans ta poste pour lui remettre quelque chose. Bien. Lorsque les relations se sont détériorées. Pardon? Lorsque vous avez cessé d'être en relation avec, avec votre fiancé, oui. Est-ce que vous avez continué à lui donner? Non. Bien. Pourquoi vous avez coupé? Est-ce que ce n'est pas cette coupure de remise de cadeaux qui a créé cette vengeance contre vous? Peut-être. Monsieur Keïta, nous sommes des hommes. Oui ou non, les hommes sont quotidiennement victimes des vengeances. Oui, maître. Mais Monsieur Keïta, je vous informe. Est-ce que vous avez appris qu'en Afrique du Sud,
qu'en Afrique du Sud, les hommes sont aussi victimes de violence. Est-ce que vous avez appris ça? Oui. Mais, M. Keta, la notion, est-ce que vous savez que la notion de vulnérabilité, cette notion n'est propre qu'au pays de l'Afrique de l'Ouest. Est-ce que vous savez ça? Je n'ai pas compris. Est-ce que vous savez qu'en Afrique de l'Ouest, la question de vulnérabilité de la femme en matière de viol, est-ce que vous savez que cette notion n'est propre qu'à notre région, Afrique de l'Ouest? Tout à fait normal. Bien. Est-ce que vous savez qu'en Afrique du Sud, les hommes sont vulnérables aussi? En Afrique du Sud, est-ce que vous le savez? Oui. Revenez maintenant au fait. Bien. Et à partir des questions qui ont été posées par le parquet, celles qui ont été posées par la partie civile, si vous faites le résumé, les faits pour lesquels vous êtes devant le tribunal criminel, le viol, est-ce que vous vous êtes senti intéressé par la majorité de ces questions? Si j'ai senti, je me suis intéressé par? Par la majorité de ces questions. Vous êtes là pour le viol, oui ou non? Oui. Est-ce que la plupart de ces questions étaient liées au viol? Non, non. Est-ce qu'en vous demandant si vous êtes marié, est-ce que ça fait partie des faits? Non, ça ne fait pas partie. Vous devez vous réjouir, oui ou non, si la partie civile a ignoré les faits, si le parquet a ignoré les faits, vous devez vous réjouir, oui ou non? Oui. Vous sortez alors ce soir victorieux, oui ou non? Oui. Je vous remercie. Ici, Monsieur le Président. Merci, Maître. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur les assesseurs. Monsieur Mamadou Aliou Keta. Maître. Vous confirmez que vous êtes de la promotion 2008 de la Gendarmerie nationale? Oui. Est-ce que vous pouvez indiquer à l'intention du tribunal les postes que vous avez occupés avant votre interpellation? Le poste que j'avais occupé à ce moment, j'étais simple un exécutant. Oui. C'est tout. À votre sortie d'école, vous avez été muté où? L'éco 1, l'escadron numéro 1. Vous avez fait combien de mois là-bas? Bon. Si vous vous rappelez. Est-ce que c'est pas 4, 5, je crois bien. De là-bas, vous êtes parti où? De là-bas, nous sommes partis comme garde de haut commandement à l'époque. D'accord. Oui. De là-bas? Nous sommes revenus à l'école pour la chose, apprendre le PSP, la protection de haute personnalité. Ici? Ici. Après, nous sommes venus à la transition. D'accord. Et vous êtes parti à la présidence? Oui. Pour être de la garde rapprochée de Sekouba. Du président Général Sekouba. Général Sekouba. Oui. Président de la transition. Oui. De là, vous êtes parti à l'extérieur pour une formation? Je suis parti au Burkina, je suis le promotion burkinabé. À Pau, tout piquement, formation commando, l'initiation commando, après là-bas. Oui. Toujours au Burkina, nous sommes venus aux Ignarés. Pour la formation de PSP, toujours, la formation de haute personnalité. D'accord. Bon, c'est votre physique qui a permis tout cela ou bien? Il y a la physique aussi, l'intellectuel aussi qui est là. D'accord, les deux? Les deux à la fois. Bon, j'ai entendu ici que vous êtes judokar. Bien, maître. Judokar, vous avez fait l'international? J'ai fait l'international comme national. Et ceinture noire troisième dan. D'accord. Je fais le mondial militaire
1995, 18e championnat d'Afrique en tennis. Donc, je n'ai beaucoup, maître. Voilà, ça, c'est entre autres, quoi. Entre autres. Et voilà, votre parcours est parsemé par cette histoire de viol. C'est bien ça? Vous êtes parti au stade de vous-même ou vous avez été réquisitionné? Je suis parti sur l'ordre de commandant de l'escadron. Donc vous avez été réquisitionné? Réquisitionné. Vous n'êtes pas parti de vous-même au stade? De tout. Si vous n'avez pas été réquisitionné? Je ne pourrais pas partir. Pas du tout? De tout. Ok. Et vous êtes parti au stade avec votre chef? Bien sûr. Le colonel Tala? Bien sûr. Actuellement, il sert où? Je pense, si je ne me trompe pas, il est le directeur de Kalia. De Kalia. Avec le commandant Sana Samora? Bien sûr. Dans trois pick-up? Oui. D'accord. Bon, dans votre pick-up, il y avait combien de gendarmes? Ah, maître, je ne peux pas dire Texas, il y a tel gendarme. D'accord. Mais vous, vous étiez affecté à une mission particulière. Tout à fait normal. Laquelle? Tireur de FLG. Tireur? Tireur de FLG. Ça signifie quoi? Fusil lance-grenadier. Encore? Fusil FLG. Fusil lance-grenadier. Excusez-moi, nous n'avons pas fait nos obligations militaires. Oui. Il faut le dire. C'est une fusil qui lance la gage, qui projette. C'est accroché au jeep ou bien c'est comment ça se présente? Cette arme est là qui permet non seulement des escadrons à évoluer et disperser la foule qui est là hostile. Cette arme est tenue par une seule personne? Oui, c'est une arme légère, c'est pas tellement lourde comme ça. Vous mettez sur l'épaule? Non, on le tient ici. Ah, d'accord. On le tient ici, on ne le met pas ici. On le tient en face. En face. Oui, on charge et on le tire. Mais c'est le gaz. C'est le gaz. Et c'est vous qui étiez porteur de cette arme? Ce jour. Ce jour-là? Oui. Dans le groupe? Oui. Mais cette arme n'a pas répondu? Pour une deuxième tour, non, il n'a pas répondu. Et la foule était en face? Tout à fait normal. Et vous étiez pratiquement en face de l'université Gamal? Non, en ce moment-là, non. Moi que vous parlez là. Oui. Non, on était posté en face de la station. La station, oui, d'accord. Quelques cents, parce que quand les jets de pierre ont commencé, oui. La ZIP se déplaçait juste à 10 mètres, approchée à la foule. D'accord. Pour avoir une distance normale. D'accord. Parce que de la station à la rentrée du stade, il y a une petite distance. À la station, juste plaque de minibus, arrêt-bus. Arrêt-bus. En quittant Amdallah, le premier arrêt-bus que vous arrivez là. Oui. La foule était là. D'accord. Donc la foule venait du côté de Amdallah. Voilà, ils veulent rentrer. Venaient rentrer pour le stade. Tout à fait normal. D'accord.